Hey, hey, hey. Parfois dans la vie, ça veut pas. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait deux épisodes où je vous dis que je vais aller à un marché aux sorcières. À savoir marché ésotérique qui vend des pierres et toutes choses de ce type qu'on a amassées avec mon amoureux. Et ça fait deux fois que ça passe pas. Parce qu'on était censé y aller mercredi, sauf que finalement, il y avait une brocante où sa famille allait, et où il était censé aller et qu'il avait changé d'avis, et finalement il y a été quand même. Donc je me suis occupée de mon jardin pendant qu'il était à sa brocante, en me disant, bah, c'est pas grave, on ira aujourd'hui au marché des sorcières. Et heureusement, j'ai une espèce d'inspiration divine comme ça, juste avant de démarrer. Parce que j'avais vu mercredi, dimanche. Je m'étais dit, de mercredi à dimanche. Aujourd'hui, on est vendredi. Juste avant de partir, je revérifie. C'était donc mercredi et dimanche. Pas de mercredi à dimanche. Et heureusement que j'ai regardé avant qu'on parte parce qu'il y avait quand même pour 57 minutes de route en voiture. Ça aurait fait mal à mon portefeuille niveau essence pour pas grand-chose. Mais bon, du coup, c'est reporté à dimanche et j'espère que dimanche, ça ne s'annulera pas. En attendant, on a pu aller faire les courses. Et ça ne me rendra pas plus riche, mais ce sera ça au moins à faire lundi après le boulot. Sinon, parce que c'est pour ça que vous venez sur cette vidéo, hein, clairement, on est là pour la suite d'Andromeda. Dans l'épisode précédent, on avait atterri sur Völd, où on avait déjà collecté un petit peu toutes les quêtes, avant de partir à la recherche de la Moschae. Parce que je voulais être sûre de ne pas faire 10 000 allers-retours pour rien. Et je disais que je trouvais quand même les quêtes de Völd et Avarl plus intéressantes que celles d'Eos, mais potentiellement parce que je préfère faire des quêtes pour les Angara que pour les humains. Je sais pas. Toujours est-il, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Sur YouTube, il y a toutes les rediffs. Sur TikTok, un extrait chaque jour, des moments sympas. Et ben, sur YouTube, ça vous permettra de voir quand je parle de ma vie et je planifie des trucs et qui finalement ne se produisent pas. Ainsi va la vie. Et quasiment dans tous les épisodes, je bâille. Pourquoi, je sais pas. Là, il est 16h52, je suis pas fatiguée, mais je bâille. Sur ce, on y va. Retour sur Mass Effect Andromeda. Je suis pas très inspirée pour parler pendant le temps de chargement. La température est en baisse, pionnière. Une double dose? Vous êtes... Faites ce que je vous dis. Alors, toi t'es qui? Tiens, tu reviens parmi nous? Brièvement. Et ces gens, ce sont ceux dont j'ai tellement entendu parler? Vous savez que si Jal n'était pas là, je pourrais vous tuer. Voici mon ami. Maïsia. Elle aide la résistance à s'approvisionner. Ça ne doit pas être facile par ici. C'est Jal le plus courageux d'entre nous. Comment vous faites pour vous approvisionner avec ces cartes partout? Les marchandises arrivent par le même chemin que nous. Il y a des cavernes et des chemins cachés partout sur Völd. L'approche aérienne est difficile, alors mes enfants apportent la plupart des articles en passant par les cavernes, petit à petit. Vos enfants? Grâce à leur petite taille, les Kert ont du mal à les détecter. Ici, on fait tous le nécessaire, même les enfants. C'est la vache. Qu'est-ce que vous pensez d'Ephra? Certains disent du mal de lui, mais son plan est ambitieux et la résistance est importante. Je ferai tout mon possible pour l'aider tant que j'en suis capable. Vous avez quelque chose à vendre qui pourrait nous être utile?
Il ne me reste presque plus rien. Le peu que j'ai, on en aura besoin si on veut avoir la moindre chance contre les Kert. Peut-être que si vous détruisez le poste Kert de la route sud, je pourrai faire venir plus de stock et vous en laisser un peu. Bonne chance, et faites attention. Et vous, ramenez-nous Jal en un seul morceau. Ces gens sont très sympathiques. Si vous avez besoin de soins, il va falloir attendre. Une patrouille vient de rentrer, il faut que je m'en occupe. Est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes ? Les Kert s'enhardissent. Plusieurs d'entre eux ont attaqué notre patrouille hier soir. Nos hommes ont réussi à s'en sortir sans trop de dégâts, mais il vaut mieux que je les examine. Il fait plutôt bon ici. Le chauffage marche bien. Le chauffage n'est pas la fonction première de cet équipement. Il génère un soleil artificiel pour nous éviter de nous obscurcir. Comment ça, vous obscurcir ? C'est vrai. Vous ne pouvez pas le savoir, j'imagine. La lumière du soleil permet à notre corps de produire de l'énergie. Si on n'en a pas assez, notre système immunitaire flanche et notre bioénergie ralentit. On s'obscurcit. Ça ne doit pas être facile de vivre dans un endroit pareil. Entre le froid et le manque de soleil, c'est difficile de garder le moral. Pour la plupart, on vient d'Aya ou d'Avarl. Ça fait une grosse différence. Les gens tombent malades parce que leur système immunitaire décline. Mais si les civils des colonies arrivent à vivre ici sans se plaindre, on en est capable aussi. Je reviendrai s'il me faut quelque chose. Je ne bouge pas d'ici. À l'attention du commandant. Commandant, mes excuses, nous avons réussi à repousser les cartes de Tetchix, mais ils nous attendaient. Ils avaient posé les pièges avant même que nous atteignions le sommet de la montagne. Ariane n'a pas survécu. Il a péri en essayant de couvrir notre saboteur. Il a tout de même réussi à battre une dizaine de cartes avant de tomber. Vous auriez été fiers de lui. Je tenais à vous l'annoncer avant que la nouvelle vous parvienne de façon moins délicate. Pourquoi je baille à chaque fois que je lis un truc ? Je vais dire à Escal d'attendre avant d'envoyer l'avis. Je veux vous laisser le temps d'annoncer à vos parents vous-même. Je vous transmets mes plus sincères condoléances, commandant. Je sais que cette nouvelle est très difficile à lire, mais sachez qu'Arjan Doxil a été un vrai héros aujourd'hui. Bravo, maman. J'espère que vous allez bien. Levez-la et toi. Le petit Fallen ne doit pas être de tout repos. Maman, il s'est passé quelque chose. J'ai envoyé Arjan en mission et il n'est pas rentré. Il ne rentrera pas. D'après son chef, il a péri en protégeant son peuple. C'est ma faute. Il n'était pas prêt. Je suis tellement... Alors, commandant Doxil, nous avons besoin de plus de recrues pour Avarl. Les Kert n'ont pas atteint les ruines, mais leurs attaques sur la capitale sont de plus en plus audacieuses. Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir tenir. Je sais que le moment est mal choisi. Vous manquez déjà de personnel, j'ai appris pour Arjan, mais je ne vous contacterai pas si ce n'était pas urgent. Je reste sur le terrain. Appelez mon transmetteur dès que possible. Je suis comme ça, je lis le courrier de tout le monde. Respect, connais pas. On repart par là. Gauche. J'ai entendu parler. J'ai jeté un œil au recours envoyé par Ekra. Attendez, j'espère qu'on m'enverra bientôt en patrouille. Je vais voir des cartes, tu crois ? Rapport d'éclaireur. Un chef de renseignement cache. Nous constatons une recrudescence d'activité près de Yannick. Les Kert ont érigé une sorte de barrière autour du site de forage. Les éclaireurs ont repéré des Angaras capturés derrière le bouclier. Il semblait que les Kert les fassent travailler sur quelque chose. Nous ignorons encore de quoi il s'agit. De nombreux soulèvements ont également été signalés. Les Kert ont cessé leurs attaques sur le Dara, dont les défenses se révélaient implacables. C'est bon signe. En revanche, ils concentrent maintenant leurs assauts sur les voyageurs. Le nombre d'embuscades a augmenté. Va falloir passer le mot. C'est la planète ? Tout est là-dessus ? On ne gagne pas une guerre sans une bonne organisation. On peut suivre nos frères et sœurs sur le terrain depuis cette salle. Hmm.
Alors. Ici, j'ai... visiblement des minéraux. Un enquêteur de la résistance. Je détecte une importante chute de la température. Attends, je suis où, moi? Contrer la résistance sur Vold. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Mais c'est moi qui ai apporté le casse-d'a... Oula, je voulais pas vous faire peur. C'est l'alien, celle qui nous a aidés sur Avarl. Je pensais pas qu'une alien nous aiderait. D'habitude, ils essaient de nous tuer ou de nous réduire en esclavage. C'est dingue. Vous êtes dingue. La ferme, Beniska, tu me fais honte. Toi, la ferme. Je suis charmante, pas vrai? Les Angara ont été formidables avec nous. Vous y compris. Alors merci. Tu vois, Tzik, on est déjà potes. Alors, comment ça se présente ici? Des conseils? Pour commencer, vous pourriez rejoindre le combat à Jara, où vous voyez ces lumières rouges. Il paraît qu'ils ont besoin d'aide. Ou vous pourriez simplement aller tuer des Kert là-bas. Il y en a partout. Vous voulez savoir autre chose? On est des experts. Ça fait une éternité qu'on est postés ici. J'étais pas censé leur... Allez, au majori. Ces lumières rouges, vous dites que c'est Jara? Oui, la station Jara, un des Dahara de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment vous faites pour survivre ici? On s'est adapté au climat, c'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les Kert ne les attaquent pas? On s'est adapté à ça aussi. Les Kert veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Qu'est-ce que c'est, ce complexe alien sur la montagne, là-bas? C'est le centre de commandement des Kert. On le surveille en permanence. À quoi est-ce qu'il sert? Il contrôle les opérations des Kert sur toute la planète. Leur vaisseau n'arrête pas d'aller et venir. Je me suis retrouvée nez à nez avec la préfète. Une vraie Vezane, sans foi ni loi. Même les Kert avaient l'air d'en avoir peur. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Vezane, hein, les gars. Connaissez des ruines ou des sites reliquats? Je crois... En fait, je ne sais pas. Tzik, tu lis jamais les infos? Non. Quand il y a quelque chose d'important, tu me le dis. Et donc, c'est où? Les lumières en hauteur. Sur votre droite, à un moment donné. Je vous laisse travailler. Faites attention à vous. Sois prudent aussi, Jala Madarav. Est-ce que ta sœur s'est rétablie depuis sa mission? Elle a eu du courage. Beaucoup de courage. Oui, elle est rétablie et courageuse. C'est gentil de demander. Tempête, on va avoir besoin du nomade, sur ma position. Déploiement de la station avancée. Bonne chance, Ryder. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Alors, j'ai quoi d'autre là? La résistance. Ça, c'est le truc de la quête principale. Là. Oh, les minéraux, c'est pas très important. Ok, Sam. Qu'est-ce que Vold nous réserve? L'activité Kert semble concentrée autour de ce grand poste de commandement central. D'après les informations de la Résistance, la base coordonne toutes les actions militaires des Kert sur Vold. En le détruisant, on paralyserait leurs opérations. En théorie. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par la Résistance Angara pour infiltrer la base, la tâche ne sera pas aisée. Je recommande une approche plus prudente, qui commence par l'inspection d'installations Kert de plus petite taille.
Et les Angara, la Résistance, ils en sont où? Les dépêches de la Résistance indiquent que quelqu'un a besoin d'aide à Jara. Nous pourrions aller à Tikix, un Dahar Angara plus grand et plus établi qui se trouve dans les environs. Bonne idée, merci Sam. Pionnière, la température sur Völd est largement négative, et certains endroits connaissent des conditions encore plus sévères. L'utilisation du nomade sera nécessaire. Je vous recommande d'éviter toute exposition prolongée au froid. Compris, on évite les accidents. Nos scans ont détecté des monolithes reliquats, ce qui suggère la présence d'un caveau. Ça veut dire qu'il est peut-être possible de faire fondre ce glaçon. Bon, on a du pain sur la planche. Au boulot. Ça va, ma bruit. Ça va, bon bruit. Où est ma bruit d'amour? Ma bruit d'amour. Ok. Suivez les lumières, Ryder. Faites-moi confiance. On se marre bien plus dans les descentes. J'ai l'impression de faire un jeu de... La température est de retour à la normale. Carte en approche! Vite! Avant qu'il trouve la résistance! Je sais pas trop ce que je fais là. Ah, c'est super loin en fait. Voilà. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface lumière. Il y a des requins ici. Alors, j'ai indiqué les coordonnées du nouveau site de largage, le ravitaillement est prévu aujourd'hui. Donc ne tardez pas, si les étoiles sont de notre côté, vous y trouverez la technologie et le bouclier. Je vous rappelle d'opérer avec discrétion. Vous ne devez pas révéler votre mission à personne. Si Ephra apprend qu'on est en train de monter une réserve, il prendra des mesures. Il faut continuer comme ça aussi longtemps que possible. Que les cieux vous protègent. Axul accapare l'approvisionnement. Mais pourquoi? C'est perturbant. Il faut en parler à Ephra. Pionnière. J'ai informé Olisk que le site de largage était sécurisé. Bien. La résistance devrait pouvoir être approvisionnée maintenant. Par là. Il ne manque pas un peu de manœuvrabilité, votre véhicule? Je vais faire demi-tour si vous continuez. Maniabilité. Pourquoi? Thank you.
Minéral non répertorié dans les environs pionnières. Regardez, les cartes ont établi un camp. Occupé. Qu'est-ce que tu es toi? Des ennemis! Est-ce qu'à un moment donné la glace risque de péter sous mes roues? Drac. Pourquoi quelqu'un rejoindrait l'initiative alors qu'il approche de la fin de sa vie? Et bon. Je détecte un signal faible. On dirait un vaisseau allié. Il correspond au code de transpondeur du vaisseau d'observation Asari Perifona. Ce n'est pas le vaisseau Asari qu'on cherche? Je crois qu'on touche au but. Ça? Jara est une station de recherche qui étudie principalement la géologie de Völd. Voyons voir si quelqu'un a besoin d'aide ici. Mes vieux os commencent à me faire souffrir. Vous pouvez pas essayer d'éviter les boss? Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. On ne peut pas attaquer une basse carte comme ça. C'est vous, l'alien dont tout le monde parle. Certains disent qu'on ne peut pas vous faire confiance. Mais si vous êtes là pour combattre les cartes, ça me suffit. Merci de me faire confiance. Les cartes tuent des gens. Ils enlèvent nos familles et on ne les revoit jamais. Tous ceux qui se battent contre ça doivent bien valoir mieux qu'eux. Donc, vous allez les affronter. Je sais où se trouve le camp de travail où ils ont emmené mon oncle. À quoi sert un camp de travail, Kert? À plusieurs choses. D'abord, ils mettent les gens dans des cages. Parfois, ils les font travailler. Des fois, ils rassemblent des Angara jusqu'à ce qu'ils en aient assez, et puis ils les emmènent ailleurs. Et d'autres fois, ils se contentent de les tuer. C'est comme ça que mon père est mort. Merde. Navré, gamin. Ça sert à rien d'être navré. Évitez-moi plutôt de perdre un autre membre de ma famille. Je vais sauver votre oncle. Voilà les coordonnées du camp de travail. Dépêchez-vous, il lui reste peut-être plus très longtemps. Oui, ma bouille. Oui, ma bouille. Il est collé dedans. Comment se passe le forage? On n'arrivera pas à atteindre une quantité suffisante pour trouver un échantillon correct. Oh, j'aurais bien discuté. Mais il faut que j'arrive à faire marcher cette saloperie machine. On aurait fini depuis plusieurs années. Ça fait des jours qu'elle capte des interférences bizarres. Je peux pas transmettre mes données à nos collègues de Tellara. Je peux faire quelque chose? Peut-être. Je pensais pas que nos machines vous seraient familières. Il faut que je fasse une pause, sinon je vais finir par tuer quelqu'un. Si ça vous tente, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.
Un dispositif de communication à haute puissance, sans doute destiné à couvrir toute la planète. D'accord. Et ces interférences dont le chercheur a parlé ? Je détecte un signal. Il est faible, mais cet équipement est très sensible. Pionnière, j'observe également un schéma régulier dans ce signal. Il est peut-être d'origine artificielle. Ce serait les Kert. Les Kert perturberaient nos transmissions. Il faut qu'on se penche là-dessus. Je détecte des températures inférieures à la normale. Alors, j'ai deux caches ici. Et un déclencheur de souvenirs là. Veulde était autrefois couverte de prés fleuris, avec des couleurs pour lesquelles il n'y avait même pas de nom. Pensez ce que vous voulez, mais je trouve cette planète magnifique. Ça me fait penser à cette lune gelée où je me suis retrouvé coincé une fois. J'ai bien failli perdre mon orteil. Alors, il y en a une autre là. Oh, il m'a craché. Picard. Je me suis renseigné sur l'histoire des Krogan et j'aurais quelques questions. Faites gaffe, on a un dicton chez les Krogan. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah, les Krogan aussi ? Vous n'êtes pas né dans le clan Nakmor et pourtant vous en faites partie. Vous l'avez choisi. Ouais, le chaman du clan était puissant et je trouvais que le désert de Kradak était un joli coin. Et vous avez eu un rite de passage ? Plus une épreuve mortelle qu'un rite de passage. J'ai survécu, je suis devenu Nakmor Drak. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais... accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Pionnière, les reliquats ont modifié le paysage de cette zone.
Je ne sais pas ce que tu as tort comme réponse de ma part à ça. Ou je les félicite. Vac, est-ce qu'on peut parler de ce que vous appelez le génophage? Vous voulez qu'on fasse la causette tranquillement à propos du truc qui fait de la vie des Krogan un enfer? Oui. Mon clan est plus robuste que les autres. Et puis ce voyage, avec le temps, disons qu'on y travaille. Dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis surexposé à creuser. Je serai quelqu'un de lumineux, c'est pas bien grave. Alors le périphona est derrière moi. Ces deux minéraux donnent de fonds positifs. Le vrai signal doit être relativement proche. Alors par là, est-ce que ça monte? Oui. Nous approchons des coordonnées fournies par Sokaezov sur Aya. Il y a eu un combat ici. Pas de corps, par contre. Je le reconnais. C'est Keldo, l'un des fournisseurs de Soka. Je les ai trouvés. D'après les scans, ces caisses contiennent des armes Zangara. Le fou. Ce marchand est avec la résistance. Oh, Soka ne vous a pas dit qu'il nous aidait de temps en temps? Qu'est-ce qui sonne à la porte? J'arrive, excusez-moi. Le retour des enfants qui jouent à la baballe et qui ne trouvent pas leur baballe. Il a joué l'embuscade des cartes, tout ça. J'ai pas équipé ça. Je suis trop loin, je crois.
Je suis bien contente d'avoir un peu... Je sais plus ce que je veux dire. Déblayer le jardin... Coupe-bordurer le jardin. Parce que sinon, je sais même pas comment ils auraient fait pour... marcher dedans, c'était le bordel. J'ai plus que la moitié de ma vie et puis je meurs. Alors, donc là, il y a ça. Là, il y a un centre de détention Kert. On va juste faire ça. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Les zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. Alors, comment j'ajoute le centre de détention ? Vous avez appris à vous battre, Jal. Qui vous a entraîné ? Mon père, mes frères et sœurs aînées, mes cousins. La résistance n'est pas une armée. Ça représente bien plus. Et votre rite de passage à vous, c'était quoi ? Je suis tombé amoureux dans ma jeunesse. J'étais très jeune. On s'est rencontrés dans une ferme d'Aya. Elle était brillante. Et elle avait des yeux électriques. J'ai eu le cœur brisé pendant plusieurs années. C'est pas à ça que je m'attendais. Je comprends parfaitement. Non. Vas-y, remonte. À mon avis, c'est là le camp. De travail Kert dont parlait Skeot. Il faut qu'on trouve Milch. Vous venez nous libérer ? Le panneau de commande est là-bas. Désactivez la barrière. Dès que j'ai une arme, je massacre tous ces Kert. Oh merde, je suis tombé. Je sais pas si je vais faire le tour. Stable.
Ah d'accord, la mission c'était d'éliminer le reste des cartes. Ok. Ah oui, juste j'ai plus mes crayons gantelets. J'ai pris autre chose. Je voulais améliorer quoi moi? De chaque 75% de dégâts contre les armures. Suspendu dans les airs. Grand maximum. Il faut dire que les pics des Rana ne nous ont pas aidés. C'est pas ma faute si les cartes peuvent pas supporter une ou deux petites insultes. Vous voyez ce que je veux dire? On vous doit une fière chandelle. Comment vous nous avez trouvés, d'ailleurs? Votre neveu, Skeot, essayait de trouver quelqu'un pour vous secourir. Brave garçon. Il a du potentiel, Nilj. Tu me l'as déjà dit. Il faut qu'on fasse notre rapport à la Résistance. On va retourner à la base dès que possible. Et le disque de données, il faut qu'on l'apporte à Buxil pour qu'elle puisse commencer l'analyse. On dirait que notre sauveteuse va devoir faire plus que nous sauver. Enfin, si elle le veut bien. Vous pouvez apporter ce disque à Tekix. Si on travaille ensemble, on gagnera du temps. Qu'est-ce qu'il y a sur ce disque? Un code Kert qu'on a volé en essayant d'infiltrer leur centre de commandement. Les Kert n'ont jamais remarqué tout ce qu'on avait téléchargé sur leur réseau. Je vais faire aussi vite que possible. Parfait. Buxil devrait être dans son atelier. J'espère qu'on se reverra, et dans de meilleures circonstances. Alors, qu'est-ce que j'ai aux alentours? Soixante orphelins, Périphonia. Ah, mon nomade, il est par là. C'est plus long. Environnemental ne dépasse pas les limites acceptables. Système de survie rétabli. Il y a des trucs que j'ai pas looté, tant pis. Tant pis, tant pis. En droite. Vous
C'est le signal. Par ici. On n'a pas réussi à venir à bout de leur défense. On a subi de nombreuses pertes en essayant. Si on trouve le moyen d'aider les Angara à se débarrasser de ces cartes, on le fera. Déposez-moi là-bas et je me fais tous ces fumiers en solo. C'est une blague. Ouais, la fin, là. Au signal, un de moins. La source de cette interférence, on dirait une météorite. L'interférence est provoquée par les radiations électromagnétiques qu'elle émet. Je détecte. Tu détecteras plus tard. Voilà dit à dit. Comment on fait pour l'éteindre? Peut-être qu'un scan vous en dira plus, pionnière. C'est fait. Merde. Pas d'œufs identiques. Certaines sont très belles et très dangereuses. Je suggère de l'envoyer au Nexus pour la faire analyser. Elle pourrait nous offrir des informations sur le fléau. Ça paraît dangereux. Oui. Perturber les communications, affoler la faune. On ne peut pas laisser tout ça de côté. Il faut l'étudier de près. Espérons que les scientifiques de Jara n'aient plus de problèmes de communication. J'espère moi que je vais juste pas avoir des emmerdes parce que j'ai fait un choix débile. Alors... Là il y a des minéraux... Et... Quoi ? Disque de données à Buxil. Je vais aller chercher ça. Allez, qu'elle était pas avec moi, mais tant pis. Drac, quand j'ai parlé de la femme qui m'a brisé le cœur, vous avez dit que vous compreniez. Ouais. Vous pourriez m'expliquer pourquoi? On vous a brisé le cœur, à vous aussi. Les cœurs, on en a quatre chez les Krogan, et je vous dirai que dalle. Je comprends parfaitement. Ah.
Non, oh, merde, je préfère ça. Voilà les ruines qu'on cherchait. Trouvons du matériel pour Pili. Ok, il me faut des glyphes. Lancez un scan pour trouver les glyphes manquants, Daniel. Un scan vous permettra de trouver les glyphes manquants. Là-haut, j'imagine. Encore en train de se battre en fait. Exécution. Merde. Je pensais que ce serait ici, mais. Visiblement, il y a Monsieur Planté. Avec ceci, nous devrions avoir tous les glyphes nécessaires, pionnière. Alors, c'est l'heure du Sudoku. Wouh! Ça, ça pourrait. Et non, il faut que ce soit celui-là. Parce que ça, ça peut pas être là. Ensuite, ici. J'ai d'abord celui-là. Le F, oui. Ça ne peut être que celui-là. Là, ça ne peut être que celui-là. Ça veut dire qu'ici, ça ne peut être que celui-là. Là. Plutôt là. Ça, c'est un... Ok. Tac. Oui. Oui. Non. Oui. Je crois. Gagné. Interface activée, pionnière. Ça doit être la Relitech dont Pibi a besoin. De la Relitech? C'est Pibi qui lui donne ce nom. Chaque fois qu'on tombe sur ce genre de ruine, il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut. Je vais lui apporter ça. Avec un peu de chance, elle me dira sur quoi porte son projet secret. Ça fait du bien d'être à nouveau sur la terre ferme. Dit-il alors que je viens de quitter la terre ferme. Canner les minéraux, et c'est quoi le deuxième ? Uxil. Vous ne vous sentez pas vulnérable? Les kertes sont partout. Je préfère me taper des kertes ici qu'être coincé dans cette boîte de conserve là-haut. Ça fait combien de temps que je stream? Oh merde, déjà 55 minutes. Il y a un prédateur camouflé près de vous. Je ne le vois plus bouger. Vous pourriez le trouver avec votre scanner et me dire où il se cache. Oui. Il paraît que les kertes ont des personnes. Il n'y a pas un seul endroit sur Veuld à l'abri. C'est où?
Alors, à quel point je suis en danger si... Je vais là. Deux. Trois. Je ne vois pas. J'entends le chant des baleines. Je vois pas, moi, ton prédateur de merde. Trouvé. Trouver par ici. Un tir remarquable. J'ai passé la journée à le pister. Merci de votre aide. Est-ce que j'ai le droit de faire la connaissance du sniper mystère? Je vous dois bien ça. Venez me voir. Oui, il est temps que j'aille prête ta lampe surtout. Joli tir là-bas. Merci. Parce que c'est à 3000 km. C'est mon père qui m'a appris d'ici. Dès que j'ai eu l'âge de tenir cette une arme. Ville est notre seule planche de salut. Pourquoi vous n'y allez pas alors? La vie doit être rude dans les parages. Il a bien fait. Il est toujours prêt. Il a veillé à ce que je sache tirer, chasser et monter un campement. Ça vous arrive de tirer sur des reliquats par ici? Je n'en vois pas très souvent. Il paraît qu'il y en a un gros quelque part, mais je l'ai jamais trouvé. Oh, génial, un architecte. Les cartes viennent souvent par ici? Quelques-uns seulement. Les patrouilles de la Résistance font bien le ménage. Je me charge de ce qui reste. En général, ce sont des prédateurs, comme celui que vous m'avez aidé à tuer. Ça vous arrive d'en rater? Rater une cible? Jamais. Vous avez déjà pensé à rejoindre la Résistance? Vous leur seriez très utile. J'aimerais bien, mais ma famille ne me le permettrait jamais. Pas après ce qui est arrivé à mon frère. Ton frère aussi était tireur d'élite, Nerav. Comment est-ce... Jal? Par les étoiles, vous étiez amis? C'était quelqu'un de bien. Il s'est battu corps et âme pour son peuple. Je veux suivre ses traces. Mais ma famille... La décision n'appartient qu'à vous. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, je veux me rendre utile. Alors dis-le. Je connais ton père. Il t'écoutera. Tu as raison. Il est temps que je parle à ma famille. Ouais, après je suis assez d'accord que... à la place de sa famille, je serais pas trop contente. Je crois que mon dessin est totalement inspiré du dernier ennemi que j'ai rencontré dans Poppy Playtime. Et j'ai pas fait exprès. Protocole automatisé actif. C'était Kix, d'après ma carte. On devrait aller parler à Buxil de son frère. Ah bon, je vais ramener ça, et puis je m'arrêterai là parce que cet épisode a déjà duré beaucoup plus que 45 minutes. Navigation pionnière. Mais ce serait bien que je commence à faire à manger parce que je commence à avoir un peu faim. Il a quitté Völd? Il a été libéré et il n'est même pas passé me donner des nouvelles? Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce que fait Nilj est extrêmement important et urgent. Même pas un coup de fil. Salut Frangine, c'était juste pour te dire que je suis toujours en vie. Rien. C'est entre vous et lui. Il avait largement le temps de vous appeler. Merci de m'avoir prévenu, en tout cas. Je vous tiendrai au courant si je trouve autre chose. Entendu. Terminé.
C'est vous, Buxil? J'ai quelque chose pour vous. De la part de mon frère qui n'en finit plus de jouer les héros? Oui, Anjik m'a dit que vous passeriez. Mon fils Keot m'a dit qu'il avait envoyé des gens secourir Nihilj. Je pensais que vous y resteriez aussi. Contente de voir que j'avais tort. Merci de l'avoir libéré. On a bien failli perdre des mois de travail. C'est dur de perdre un membre de sa famille. Je suis ravie d'avoir pu vous éviter un tel drame. Merci. Les gens parlent beaucoup de vos talents, mais ils oublient de mentionner votre générosité. Oh. Maintenant, voyons ce qu'on a là. Par les étoiles. C'est le plan du centre de commandement Kert. Les entrées, les sorties, la sécurité. On va pouvoir plomber leurs opérations. Attendez. Il y a autre chose. Oh. Ça, c'est pas bon. Quoi ? Les entrées de la base sont protégées et verrouillées par un code qui change, souvent. D'après les métadonnées, ils ont téléchargé ça il y a des semaines. Le code va bientôt changer. Si on veut les attaquer, c'est maintenant ou jamais. Laissez-moi vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. Le code de désactivation des boucliers de sécurité est crypté, mais je travaille dessus. Je vous ai envoyé la carte et les coordonnées d'une entrée latérale qui devrait être moins gardée. Allez-y vite, on reste en contact. Bon allez, ceci marque la fin de cet épisode. Moi, je vais aller commencer à préparer à manger. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok pour retrouver sur YouTube toutes les rediffs, sur TikTok un extrait chaque jour des moments sympas. Je fais pas mal de jeux d'horreur, je fais des jeux de plateforme, des jeux de survie, des jeux de chasse aux fantômes avec mon amoureux. J'ai totalement déséquilibré les pattes de mon bonhomme, ça ne va pas du tout. Hop. Et j'ai vraiment trop l'impression que il a inspiré de... Vous verrez rien, c'est surexposé. Bref, c'est un dessin que je suis en train de faire pendant les textes. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'ennemi du dernier chapitre qui est sorti de Poppy Playtime. Enfin, beaucoup dans la version de je suis pas très bien dessiné, donc voilà. Et comme ça, vous comprenez que je joue à Poppy Playtime et que ça fait partie des rediffs que je propose sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à me suivre si vous aimez ce que vous voyez. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et ça rendra heureux le petit pandaro qui s'endort gentiment à côté de moi. Et avec une pensée, comme toujours, pour ma cahuète adorée qui me manque, je vous dis bye bye.